Salut tout le monde, c'est Axel Deponce 974. Je vous remercie d'avoir choisi ma chaîne. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour Match à moi par équipe sur Octane. L'arme que je vais choisir, c'est le Remington R5, accompagné de frein de bouche et viseur laser. Mes atouts sont le fin prêt, silence de mort invisible, chargeur à bloc et amplification. Donc là, on commence tout de suite dans la partie. Là, j'avance discrètement. Parce que habituellement, dans cet endroit-là, il y a toujours des ennemis qui avancent, qui sont plus rapides, quoi. Donc là, je reviens. Je fais semblant de revenir. En fait, c'est juste pour faire le tour. Voilà, je passe à côté de station. Je pense qu'on a déjà commencé la partie avant même que. Non, pas du tout. Non, la partie a commencé en même temps que je commence. Quoi. Là, je vois un qui m'a pas vu. Heureusement, le premier kill. Voilà, je recharge tranquillement. Je veux voir s'il y a personne qui a spawné derrière. Non, il n'y a personne. Voilà, je continue tout doucement. Enfin, tout doucement, je sprint en même temps, donc c'est pas doucement, mais j'ai le silence des morts qui me protège derrière, donc je risque rien tant qu'ils mettent pas leur drone, enfin leur communication satellite. Là, je vois quelqu'un au loin, mais je n'ose pas tirer parce que parfois, quand on tire, il y a toujours un qui est plus cheaté que d'autres, donc vaut mieux faire gaffe. S'il ne voit pas, vaut mieux le laisser passer et puis tirer dans le dos, c'est plus facile après. Là, je croyais qu'il était. J'ai vu l'ombre par terre, je croyais qu'il allait sauter, mais malheureusement, il n'a pas sauté. Là, je pense que je vais le manger, non. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Ouais, c'est toujours le même problème. Enfin, pas vraiment le problème, mais voilà, celui-là, il m'a pas vu, il était au-dessus. Voilà, j'ai eu le gibier, il était descendu comme une mouette. La bonne blague. Voilà, bon, je sais pas ce que je suis en train de faire. J'ai ramassé l'arme par terre. Bon, ça c'est une question d'habitude. Hein. Vous avez vu là, au moment où il y a eu EI, je me suis baissé tout de suite pour éviter que ça s'explose sur moi. C'est la bonne manière pour éviter les 8. Et d'ailleurs, heureusement que le mec il était au snipe à l'intérieur, il m'a pas eu du premier coup, donc c'était pas un bon snipe. Il m'a pas mis un flash crop. Donc là, j'ai fait un peu de carnage à l'intérieur du club de striptease. Je sais qu'habituellement il y a beaucoup d'ennemis qui viennent par là. Là, celui-là, je croyais que c'était l'ennemi, mais non, c'était l'allié. Peut-être par là, côté motel, si, celui-là je vais l'avoir. Voilà, je me suis vengé, enfin, j'ai vengé mon allié qui était mangé devant moi, malheureusement pour lui. Moi, mais moi je continue ma série, hein. Enfin, celui-là je ne l'ai pas eu, je vais faire le tour. Je sais qu'il m'attend à l'autre côté, mais je vais passer derrière lui, il va rien comprendre. Voilà, il a rien compris. Voilà. En même temps, je prends deux kills, enfin. Je tue deux armes en même temps, ça fait double kill. Bon, il n'y a personne qui respawn par là. Hein. S'il y a là-haut. Mais par contre, l'arme, malgré que j'ai le frein de bouche, les balles ne traversent pas le mur. C'est un peu malheureux. Pourtant, c'est pas un vrai mur, c'est juste un tôle qui est au-dessus. Une tôle, pardon. Et voilà. Je pense que je vais remonter. Non, je vais laisser. J'ai peut-être quelqu'un à droite. Non. Ah si, il m'a vu. Pourquoi je ne l'ai pas tué avant? Pourtant, elle était à côté, je pense. Je l'ai vu. Il a gâché ma série. C'est lui là, je vais l'avoir. Il a sauté. Bah, il a sauté comme un je sais pas quoi. Voilà. C'est à partir de là que je vais faire un carnage de ouf. Je pense qu'avec ce fusil à pompe. Avec ça, je vais me régaler. Je sais même plus comment ça s'appelle ce fusil à pompe. Ouais, le bulldog. Ouais, ça s'appelle le bulldog. Ouais, j'ai fait le premier kill avec ce bulldog. Donc, j'ai fait. Enfin, je rush énormément depuis que j'ai cette arme à la main.
Je joue jamais d'habitude, habituellement je joue jamais sur les fusées à pompe, mais là je me suis régalé. Je me suis régalé, mais pourtant j'avais pas de marathon ni agilité. J'avance plutôt vite. Au-dessus, il y a deux personnes que j'arrive pas à voir d'ailleurs, ni l'un ni l'autre. Donc je vais faire le tour pour éviter que je passe devant. Je sens qu'il y a quelqu'un encore au-dessus. Ouais, je pense qu'il y a un au snipe, je crois. Ouais, c'est celui-là. J'arrive toujours par derrière. Hein. Je fais tous les moyens pour arriver par derrière l'ennemi. Hein. C'est un peu lâche de ma part, mais bon, c'est le seul moyen pour éviter de mourir bêtement. De toute façon, au commando, il faut toujours attaquer par derrière. Voilà, c'est le tir de loin. Par contre, le Remington, c'est toujours aussi cheaté. J'adore cette arme. Que ce soit en silencieux ou la normale, c'est toujours aussi bien. Le seul hic qu'il y a sur cette arme, c'est que les munitions, ça va. C'est trop vite. Enfin, y a les balles, il va trop vite et une vite en cours de munitions. Donc, le mec que je viens de tuer tout à l'heure. Comment j'ai fait pour savoir qu'il était là? En fait, c'est grâce au tir qu'il faisait avant. Il tirait, je voyais ses balles en fait. Après, je suis arrivé. Après, bah, il suffit juste que je tire celui qui meurt, quoi. Voilà. Donc là, je suis sur le score de, je sais pas du tout, sur le score de 25 à 2, je pense. Non, même pas. 18 à 2. Là, je vois quelqu'un à l'oracle. Derrière le mur, enfin il était derrière le conteneur. Voilà. Là c'est avant le dernier kill je pense, c'est celui-là, et puis il y a l'autre là. Voilà. Donc observez bien ça. Observez bien après celui-là ce qui va se passer. Donc c'est avant la fin de la partie. Hein. Regardez bien, il tire sur moi. Je le tire dessus, il m'esquive. Et moi je l'esquive, je recharge et je cut. Voilà, c'était pas beau ça. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Hein. Regardez encore sur le kill cam là, c'était trop beau moi je trouve, hein. C'était trop beau l'esquive et puis le cut derrière. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.